Salut la team Surimi, c'est Batsur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon City. Et oui les gens, je refais des vidéos Dragon City car j'ai réinstallé le jeu et il y a pas longtemps de ça. Et beaucoup de gens m'ont demandé d'en refaire. Donc là c'est l'épisode 13 aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons apprendre comment avoir le dragon Crotal, le dragon Plante Carnivore, le dragon Néon, le dragon Pingouin et le dragon Zombie. Donc c'est très simple, il n'y a pas trop de difficultés mais bon voilà. Donc on va déjà collecter un peu les ressources. Une nouvelle île vient d'apparaître, à ce que je vois. Donc voilà, là, il y a quelques instants de ça. Déjà ce matin, il n'y avait pas encore l'île, donc voilà. Alors, voilà, en plus on a des petites pièces de labyrinthe, je sais pas quoi. On fera ça après, les gars. Du coup, on va directement passer au sujet de la vidéo, c'est parti. Ok, donc on se retrouve dans le monde de reproduction, donc dans la grotte. Et je vais vous montrer tout simplement comment avoir les 5 dragons suivants. Donc on va commencer par le dragon Crotal. Donc voilà, je vous le mets à l'écran de toute façon. Voilà. Donc c'est très simple. Vous allez prendre à gauche, vous allez mettre le dragon obscur. Donc voilà, qui est là. Hop. Et ensuite à droite, vous allez mettre le dragon nature. Voilà. Et aussi, je vous ai pas dit, mais ceux qui jouent encore, vous avez sûrement déjà vu la nouvelle fonctionnalité du jeu. Donc vous pouvez voir les résultats disponibles. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir le dragon Crotal, le dragon Plante Carnivore ou le dragon à deux têtes. Donc voilà. Donc normalement le plus facile à voir dans cette combinaison, c'est le dragon Crotal. Donc si je me trompe, désolé, mais normalement c'est le plus facile à voir. Donc voilà, après vous faites reproduit et normalement vous aurez le dragon Crotal. Donc ensuite on va passer au dragon Plante Carnivore, donc il s'affiche toujours à l'écran comme d'habitude. Donc là c'est l'inverse, on va mettre nature ici. Donc voilà, le dragon nature. Et de l'autre côté, on va mettre le dragon obscur, bien évidemment. Et là, regardez, bon, ça change pas. Mais là, je crois que cette fois-ci, c'est le dragon plante carnivore qui est plus facile à voir. Donc par contre, le dragon à deux têtes, il faut avoir de la chance. Donc voilà, donc, vous pouvez l'avoir, mais je pense qu'il va falloir relancer plusieurs fois. Donc voilà, et pour eux, ben voilà, je peux pas les avoir, moi. Donc voilà, c'est des plus rares. Donc voilà. Si vous voulez voir les résultats disponibles, il y a juste le petit truc bleu à cliquer et voilà. Au passage, voilà, comme ça au moins vous le savez. Donc voilà pour le dragon plante carnivore. Ensuite le dragon néon. Donc voilà, je vous mets toujours la photo. Alors le dragon néon, c'est très simple. Vous mettez à gauche le dragon électrique et à droite vous mettez le dragon obscur. Donc il y aura toujours des dragons obscurs dans cette vidéo en reproduction. Car ben, c'est comme ça, c'est voilà. Donc comme ça, là maintenant si on clique sur... résultat disponible, on peut voir qu'il y a le dragon néon ou le dragon bloc que j'ai toujours pas et je le trouve grave stylé d'ailleurs. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais le dragon bloc il est grave stylé. Donc voilà, vous aurez normalement le dragon néon si vous faites ça. Donc voilà, ensuite pour le dragon pingouin. Alors, pour le dragon pingouin, c'est très simple, il va falloir mettre le dragon gel à votre gauche. Et le dragon obscur à votre droite. Là, sur mes résultats possibles, vous aurez le dragon pingouin. Donc c'est le plus facile à voir. Après, vous aurez le dragon fossile, qui est assez simple aussi. Et le dragon Scrooge, je sais pas comment on dit, Scrooge, qui est un peu plus dur. Donc voilà, mais normalement, le plus simple, ça sera le dragon pingouin. Donc voilà. Ensuite, pour terminer le sujet de la vidéo, nous avons le dragon zombie. Donc là pour le dragon zombie c'est très simple, vous allez mettre métal à gauche et obscur à droite. Et là si on va dans résultats disponibles, on aura soit le dragon zombie, donc voilà c'est celui qu'on veut. Soit si vous avez plus de chance le dragon de mort, donc voilà. Donc voilà c'est tout pour le sujet de la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais faire, donc je vais ramasser déjà mon or. Donc voilà, alors je sais pas pourquoi il y a un bug, mais dans la tour à gemmes, j'arrive pas. Ça dit reçoit une gemme gratuite par jour, mais ça fait 3 jours, j'en ai pas eu. Je sais pas pourquoi, là, okay. Je regarde vite fait les tours, si j'ai pas des trucs, mais normalement non. Améliorer le combat, ça c'est bon. Ok, donc déjà, je vais vous présenter la nouvelle île. Donc voilà, déjà on peut libérer ce dragon là. J'aime bien l'île là, parce qu'on peut avoir des dragons plutôt cool. Comme lui, en vrai, il est grave stylé, je trouve. Voilà, hop, on va cliquer dessus. Et voilà. Alors, 11 étapes de la sortie. Bon, ça va, en vrai, il n'est pas très dur à voir, celui-là, en tout cas. Donc, voilà,
On a toujours, comme d'habitude, le petit tuto, mais on s'en fout. Donc c'est le dragon ombre, qui est grave stylé, je trouve. Donc on va payer... Je sais pas si on va pouvoir l'avoir. Alors. Tac, le petit coffre. Alors, on a quoi? On a des orbes, je pense. Voilà, or dragon jade. On s'en fout parce qu'on l'a déjà. Donc c'est pas ouf. Alors, ensuite, bam. 35 gemmes encore. 35 points, je veux dire. 45 pour là. Alors, on a quoi? Donc c'est toujours des orbes là-dedans, je crois. Ok, donc là, c'est des trucs, ouais, ok. Alors, 55, hop. Je pense qu'on va pouvoir l'avoir, là, en fait. Hop, encore 75, hop. Ouh, il est pas mal, le coffre, là, je pense. On a quoi dedans? On a, ok, 5 essences pures. Dites-moi en commentaire si vous savez c'est quoi l'essence pure, parce que je sais qu'on peut le placer sur la map, mais je sais pas si ça sert à autre chose. Mais en tout cas, voilà, je sais pas trop ça sert à quoi. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous, vous savez. Alors, on continue. En plus, on a la petite clé pour avoir le dragon, je ne sais pas quoi. Alors, c'est quoi le nom du dragon, je sais pas. Alors, c'est le dragon... Chef Chibi. Ok, le dragon Chef Chibi. On va quand même terminer notre dragon qui est où. Alors, attendez. Je l'ai perdu. Ah, c'est bon. C'est là. Alors, on va continuer. Je sais pas si on va l'avoir. Trois étapes. Plus que deux. Ah, je crois qu'on va pas l'avoir, les gars, en fait. Oh non. C'est dommage. Ah ouais, on l'aura pas. Oh, il y a les combats. En fait, si, peut-être. Parce que là, c'est des combats, c'est pas... Ah ouais. Ok, bon les gars. Alors, on va faire le petit combat, comme ça, hop. Après, il en restera deux, je pense. Je payerai en points. Je sais pas si je pourrai pendant cette vidéo, mais en tout cas, on va essayer. Mais si je pourrais pas, bah je vous montrerai quand même. Alors, voilà. Donc, il me resterait 133 blocs. Alors, ensuite, on a aussi la course, là. Donc là, il me manque de collecter de la nourriture, donc je peux pas. Et je suis premier pour l'instant. Et voilà, je suis au troisième tour. Donc c'est plutôt cool. Alors ensuite, on a quoi d'autre? Ah oui, donc dans mon couvoir, j'ai tout amélioré au max. Donc là, je peux avoir 5 œufs. Ça coûte assez cher. J'avais 250 gemmes, j'ai plus que 34 gemmes. Mais bon, au moins, ça c'est fait. Donc voilà, ça fait quand même plaisir. Donc prochainement, je vais avoir le dragon vaisseau spatial. Je vais avoir le dragon pierre sombre. Le dragon photon. Donc lui, j'en ai besoin pour la prochaine vidéo d'ailleurs, je crois. Le dragon surf, le dragon mater natura. Donc attendez, je vais juste voir un truc. Je crois que c'est le dragon photon qu'il me faut pour la prochaine vidéo d'ailleurs. Ah oui, c'est ça, le dragon photon. Comme on peut le voir, si on est là, dragon photon, voilà, il est là. Mince. Alors, du coup, il faudra aussi le dragon mater natura, mais il est aussi dedans. Alors ensuite, on a quoi d'autre à faire? On a les combats de... deux ligues. Ah oui, j'ai aussi le dragon bataille, là, ça fait longtemps que je l'ai. En plus, je peux le mettre, je crois, ouais. Alors, les combats de ligue, les gars, c'est chaud. C'est très, très, très chaud. Regardez les dragons en face. Donc, voilà. Je vais quand même les faire, mais bon, c'est pas dit que je vais gagner. Non, totalement, je vais perdre, même. Oh! Oh là là, la chance! Oh non! Mais c'est une blague. Les gars, 110 HP, c'est quoi, ça? Bon, voilà, hop. Regardez les dragons, mais le one-shot, il était presque, hein. Il a failli me one-shot. C'est un truc de malade, hein. Bon, bah voilà. J'ai perdu. Je pense bien. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, on aura buté deux dragons sur trois. Et il me bute, voilà. Malheureusement. On va pas le réanimer, je pense. Donc voilà, c'est la défaite. On va faire un deuxième combat, maintenant. Alors, ah ouais, mais là, regardez, 42 000 HP. Mais on n'a aucune chance, en fait, là. C'est clairement impossible. Enfin, je pense que c'est... Mais mec, les niveaux 26 sont dragons. Comment dire? Je crois que le niveau maximum, c'est 30. Mais je suis pas sûre, les gars. Dites-moi en commentaire si vous savez c'est quoi le niveau maximum des dragons qu'on puisse avoir. Il me semble que c'est 30, mais je dis peut-être des conneries. Donc dites-moi en commentaire si vous savez. Les pros de Dragon City, là. Moi, je suis pas vraiment un pro. Bon, ça fait... Je suis quand même niveau 30, mais c'est pas non plus incroyable comparé à d'autres gens. Donc, voilà. Dites-moi si vous voulez l'épisode 12 en commentaire. Dites-moi. Je sais pas si on fait un objectif de like. Si on... Je pense que si on a 10 likes, il sortira...
Si on a 10 likes 2 jours après cette vidéo, et ben je ferai l'épisode 14 vendredi au lieu de samedi ou dimanche. Donc je la ferai plutôt si on a 10 likes avant 2 jours de sortie de cette vidéo. Donc voilà les gars, bon bah on a perdu. Je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, mais voilà. Donc mettez juste un like et elle sortira plus tôt quoi. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé pour vos dragons. Donc prochaine vidéo, ça sera du dragon 65 au 70. Non, de 60 à 65, excusez-moi. Donc voilà, c'était Mathieu. Bye tout le monde.